Il prend des cours d'art dramatique chez Jean-Laurent Cochet au théâtre Édouard VII. Il étudie le cinéma, la linguistique et la psychanalyse. À l'université de Paris 8, il rencontre Téchiner et Chabrol, dont il devient l'assistant. Il travaille simultanément en tant qu'acteur, assistant réalisateur et auteur. Il tient son premier rôle important dans La Machine, 1977, de Paul Vécali. Il interprète un condamné à mort pour le meurtre d'une enfant. Il est acteur dans les films de Jean-Claude Biette, Claude Chabrol, Sofia Coppola, Jean-Luc Godard, Jean-Claude Guiguet, Alain Berberian, Maurice Pialat, Paul Vécali, Gérard Kraftschik, Luc Moulet, Raoul Ruiz, Claude Zidi. Il incarne notamment ses personnages troubles, comme Pierre Lantier, l'assassin de La Machine ou Satan, incarné en maquignon pervers et complexe du duo Bernanos-Pialat, ou encore Martoni le politicien, véreux dans La Cité de la Peur. Il apparaît dans des cinémas de types très divers, du cinéma radical de Jean-Claude Biette au cinéma grand public de Luc Besson. Il est parrain du Festival du film court de Troyes.